je vais devoir terminer Minecraft sur ce chunk bizarre. Mais malheureusement, ça sera pas tout. Parce que Aspaz aura l'ordre de me tuer. Et il sera dans le monde de Baz. Son objectif, se crafter ce bâton pour être téléporté dans le chunk ultime de Minecraft. Qui de moi et Aspaz va gagner? À vos commentaires. Et avant que ça commence, comme je vous l'ai dit, je commence officiellement ma chaîne Fortnite. Donc après cette vidéo, n'hésite pas à aller voir mes vidéos sur ma chaîne Fortnite. Ça sera des pures dingueries ce qui va arriver. Ok les mecs, regardez-moi ça. Comme je l'ai dit à l'intro, on est actuellement sur un chunk avec différentes couches. Regardez-moi ça. Sauf que regardez-moi ça aussi les mecs, dans le tab il y a Aspaz TV. Bon, c'est vrai que ça date. Donc vous savez quoi les mecs, on va devoir avancer le plus vite possible. Donc vous savez quoi, on va déjà récupérer un maximum de bois. Parce que là les mecs, comme vous l'avez vu dans le tab, bon déjà oui, il y a Aspaz, mais il va devoir nous tuer. Donc là vous savez quoi, on va vraiment se stuffer le plus rapidement possible pour descendre tout en bas pour voir ce que nous cache ce biome. Parce que logiquement, il peut arriver à tout moment. Donc vous savez quoi, on va se faire ça pour battre les mobs, ainsi qu'une pioche, voilà. Bon là les mecs, il faut quand même qu'on fasse attention. Donc vous savez quoi, on va quand même prendre un maximum de graines. Parce que si on perd de la bouffe et tout, ça risque d'être super galère si on n'a pas de graines en fait. Voilà, 7, ça peut le faire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste prendre du bois encore. Oh là, j'ai tellement peur parce qu'en fait, je sais pas comment il peut venir. Dans la logique des choses, les mecs, il peut se crafter un genre de bâton qui va le téléporter sur le bail en bedrock. Bon, heureusement que c'est Aspaz et que dans la logique des choses, voilà. Et de toute façon, les mecs, vous inquiétez pas. Évidemment que je me suis réservé le droit d'avoir accès à des items plutôt cheatés. Parce que regardez-moi ça, les mecs, il y a quand même pas mal de choses qui sont là quand même. Hein. Mais bon, on n'est pas encore là pour ça, ce qu'attendez. Ok, bon, du coup, les mecs, il faut actuellement que j'aille chercher l'inette directement. Je sais pas où il est, mais bon. Je sais que je peux me faire un petit bâton de téléportation qui va me téléporter directement à lui. Ça peut être complètement cheaté. Donc, bon, les mecs, faut pas que je perde de temps. Faut que j'aille directement aller casser des planches et casser du bois afin de me faire un stuff de malade. Ok, bon, let's go. Boum. Il va falloir que j'aille me récupérer, bien évidemment, du diamant, de l'émeraude et de la redstone. Donc, bon, ça va prendre deux plombs. On va pas se mentir, ça va être horrible. Il faut que je réfléchisse à un plan là, les mecs. Si je réfléchis pas à un plan, ça va être une catastrophe. Je tiens à gagner cette vidéo. Je vais pas le laisser me battre et m'humilier comme d'habitude. Tout ça parce qu'il pensait être meilleur que moi. Non, parce que bon, les mecs, aujourd'hui c'est la Saint-José. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle José. Il m'a dit Aspaz, t'inquiète pas, mon frérot, aujourd'hui je sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas gagner. Donc bon, vu que c'est sa fête, je me suis dit c'est peut-être le moment. Bon, qu'est-ce que je raconte là, idée de... Qu'est-ce que je raconte? Le second bloc, c'est quoi? De la lave. Oulala, 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 ça risque d'être tendax. Ah, mais ça va même être super chaud en fait. Attendez. Ah oui, mais attendez, comment je peux faire? Déjà, vous savez quoi? Je vais miner absolument tout ce qui se trouve ici. Parce qu'en vrai de vrai, il me faut de la place. Parce qu'en vrai de vrai, le seul moyen que je vois, c'est simplement de reboucher la lave avec des blocs pour, entre guillemets, bah, pouvoir faire ça, les mecs. Hein. Et après, on a des gâteaux. Mais attendez, c'est incroyable. Parce que là, niveau nourriture, on est Gucci de A à Z. Et en plus, regardez-moi ça, on récupère des petites pousses de chêne qu'on va évidemment planter directement. Comme ça, on peut directement générer des blocs. Bon, en vrai de vrai, on va pas tout miner comme ça. Si Shawen y vient, on peut toujours. Bon, déjà, j'ai dit Shawen alors que c'est ce bon vieux Aspaz TV. Mais en tout cas, voilà, dès qu'on va faire ça, hop là, on peut, entre guillemets, sécuriser le bail. Et logiquement, il n'y a pas la propagation du feu. Donc, on est Gucci. Voilà. Donc, attendez. Ah non, oui, bon, faut que je fasse gaffe quand même. Hop là et hop là. Voilà. Donc là, logiquement, je peux bouffer les gâteaux. Ok, on va essayer de descendre en bas pour voir ce qu'il y a. Je sais pas en fait si ce bloc là peut me servir comme une genre de stone. Parce que là, attendez, ça c'est de la laine ça. Voilà, par contre, les mecs, il faut vraiment que je fasse gaffe que Aspaz ne vienne pas. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de raconter là. Mais bon, là, les mecs, je récolte du stuff actuellement, mais ça avance pas. Je sens que la lady est déjà dans le nether en train de détruire les blazes et les underman. À deux doigts de terminer le jeu pendant que moi je suis en train de rien faire. Bon, faut vite que j'aille trouver une solution. Ok, let's go. J'ai récupéré du stuff comment le cheater. Je vais aller éliminer 2-3 animaux et ensuite je vais directement partir miner directement vers le bas du la map pour récupérer un maximum d'émeraudes. Ouais, c'est qui ce type? Pourquoi il me déteste? Pourquoi il m'a donné... Il m'a tabassé alors que je lui ai rien fait. Je l'ai même pas touché. Il a aucune raison de me détester. Mais non, mais sérieusement, bon, on va s'éloigner de ce mec. Attendez, quoique, je vais le défoncer en fait, il me donne du fer. Ok, let's go, boum. Je vais pouvoir me faire une petite pioche en fer. Et bon, let's go, j'ai trouvé une grotte. C'est quoi cette grotte pourrie? Non, elle est trop gaze. Ouais, par contre, attendez, pourquoi quand j'élimine un de charbon, il y en a 15 000 qui ressortent? Bon, faut voir comme si de rien n'était. Je vais partir tout de suite aller trouver une meilleure grotte. Ok, boum, let's go, les mecs, je suis arrivé directement dans un mineshaft. Il faut que je trouve du diamant là, c'est pas possible. Pourquoi j'en trouve pas en fait? Mais sérieusement, là, il y en a pas un qui va arriver là. Je veux vraiment pas savoir où on est la idée actuellement. Ça va me faire flipper de savoir ça. Mais bon, les mecs, pendant que je cherche du diamant, je vais raconter une petite histoire qui s'est passée très récemment sur ma vie. C'est pas, j'étais en train de conduire en voiture, puisque oui, bon, actuellement j'ai le permis. Et là, je me suis arrêté un feu rouge. Je sais pas, y a quoi, un policier qui m'arrête. Il m'a dit, bon monsieur, là, vous foutez de moi là, vous avez quel âge là? Je lui ai dit 19 ans. Il m'a dit, c'est ça, vous vous foutez de moi, vous avez 17 ans. Il pensait que je roulais sans avoir le permis, ce malade. Du coup, bon, c'est mort, les mecs. Maintenant, je vais me laisser pousser ma barbe. Je vais avoir la barbe à ce bon vieux Philippe Etchebest. Elle va être immense. Les gens vont penser que j'aurai 40 ans là maintenant. Bon, bref, je peux pas sérieusement trouver un seul. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, mais non, mais c'est une catastrophe. Pourquoi je me suis ramené dans ce bourbier là? Y a des mobs de partout. Allez, c'est bon. Je vais réussir à trouver des diamants. Non, c'est pas du diamant, c'est du diamant wish. La Inet, je vais t'avoir, la Inet. Oh, oh, les mecs, vous voyez ce que je vois? Oui, oui, bah y en a
putain, donc là, c'est du diamant. C'est du diamant. Let's go, les mecs, j'ai du diamant à fond. Mais j'en ai combien? Mais j'en ai combien? Mais ça veut pas s'arrêter. Bon, let's go, maintenant, il va falloir que je récupère un peu de redstone. Boum, on va miner tout ça. Et bon, maintenant que j'ai les diamants et la redstone, il me reste plus que deux trucs à avoir. Le bois. Bon, ça, c'est super facile, on a juste à côté de moi. Afin de me faire des petits bâtons. Mais surtout, les mecs, de l'émeraude. Et bon, comment je vais trouver de l'émeraude? C'est pas possible. Mais c'est un truc impossible à avoir, il y en a nulle part. C'est aussi rare qu'un shiny sur Pokémon Go. C'est pas possible, les mecs, je vais pas en trouver. Là, bizarrement, par contre, je trouve un maximum de diamants. Ça, c'est bizarre. Par contre, zéro émeraude. Bon, ok, les mecs, il va falloir que je change de stratégie là. Ça va pas marcher de continuer comme ça. Donc, bon, je pense que mon nouveau plan va être super simple. Je vais essayer de remonter en haut et partir au village. Parce que le bail d'après, c'est les citrouilles. Après, c'est les slimes. Et on a dû faire. Les mecs, on a dû faire. Oh là 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 là. Bon, le problème, c'est que je peux pas les miner. C'est pas foufou, hein. Donc, oui, les mecs, je vais malheureusement devoir miner un bloc que je ne récupérerai absolument jamais. Simplement dans l'optique d'avoir, entre guillemets, de la stone. Et bon, c'est un peu chiant. Après, les mecs, est-ce que la roche noire, je peux pas la convertir en fait? J'en sais rien en tout cas. Oh là là, mais les mecs, non, mais c'est quoi cette ordure ménagère, les mecs? C'est terrible, je ne peux rien faire avec tout ce que j'ai. Au pire, attendez, on va voir si le mode peut m'avancer un petit peu, les mecs. Attendez, pourquoi ils me disent que je peux jamais le faire, ça? Attendez, les mecs, ça n'a aucun sens. Est-ce que je peux miner ça? Ok, mais à quoi ça sert? Bon, les mecs, dites-vous, je ne connais pas le mode. Mais le fait qu'il me faut deux planches de chaîne, ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre. Limite, les mecs, je vous le dis, j'ai envie d'attendre ce bon vieux Aspaz et de le tuer. Bon, évidemment, quand il vient, je cache mon item. Comme ça, il est pas au courant que j'ai un item. Sinon, malheureusement, il va le voir. Après, je sais pas, je pense que Aspaz est quand même plus bête que Shawen. Et Shawen a souvent un peu de mal à comprendre que j'ai un mode. Bon, attendez, je vais faire ça en fait. Ah ouais, bon, là, sauf que le problème, c'est que voir de la stone, ça va être complexe là. Hein. Au pire, les mecs, on pourrait directement se faire cette pomme là. Hein. Donc, logiquement, pour avoir des pommes, j'ai simplement à miner absolument tout ce qui se trouve ici. Et dans la logique des choses, ça devrait faire tomber des pommes. Parce que là, de toute façon, j'ai simplement. Oh, bah attendez, mais incroyable. Bah oui, mais facile. Ah, ok, attendez, hop là. J'ai l'impression que ça donne limite des pommes à tous les. Ah oui. En fait, ça sert à donner des pommes. Donc là, attendez, tac, 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 tac. On y met la pomme. Et voilà. On a la wooden. Et on va voir ce que ça donnait logiquement dans la logique des choses. Voilà, magnifique. Le fait que ça convertit absolument tous les blocs. Oh là là là, ça va me. Oh là là, oh, je sens que j'ai fait une bêtise. Je sens que je vais faire une bêtise. Donc là, les mecs, si je fais ça, ça remplace. Je vais faire une sacrée bêtise, les mecs. Hein. Ça peut être terrible. Hein. Oh, et en plus, j'ai haste. Oh, j'ai haste, les mecs. Mais c'est incroyablement incroyable. De toute façon, vous savez quoi? Je vais quand même me faire un sacré stock de pommes, tout ça. Comme ça, au moins, on sera forcément Gucci. Parce que là, regardez-moi, le pouvoir est déjà parti, en fait. Et j'ai quand même 11 pommes, donc là, on est bien. Oubliez pas, il va spawn vers là, même si le bloc est parti. Mais là, en vrai de vrai, regardez-moi ça. Je vois pas vraiment ce que je peux me crafter actuellement. Hein. Donc là, les mecs, moi, j'aimerais bien partir en bas, en fait. Parce que là, il me faut forcément de la stone. Non, mais là, ce qui me fait peur, c'est que j'ai exactement le même stuff que ce bon vieux. Hein. Et voilà, on a réussi à miner le bloc. Allez, s'il vous plaît. Oh là là, mais par pitié. Au pire, vous savez quoi, rien à secouer. Est-ce que ça fonctionne? Oh, magnifique. La vie d'Ouam, je viens d'apprendre quelque chose, les mecs. Les mecs, la vie de ma mère, mettez votre like si je viens de vous apprendre quelque chose. Parce que là, attendez, attendez, attendez. Je vais simplement miner du fer brut et on est trop, trop Gucci. Parce que là, simplement en prenant ça, les mecs, et bah hop là et hop là. Et là, on a le full stuff. Bon, maintenant, il faut que je fasse gaffe que Shawen ne vienne pas. Je fais que de dire Shawen alors que c'est ce bon vieux Aspaz. Hein. J'aurais peut-être dû essayer d'enlever la lave, entre guillemets. Parce que là, elle est en train de me keblo. Elle est en train de ruiner ma life. Oh là là, il va arriver d'un moment à l'autre. Je vais me faire seringuer, les mecs. Je sais pas du tout ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça, les mecs, que pour être sûr, voilà. Comme ça, s'il vient, je peux au moins me bagarrer. Oh, mais les mecs, regardez-moi la mission Colombo que je dois faire pour récupérer simplement de la roche. Parce que là, il faut que je me crafte un genre de fourneau. Hein. Donc là, les mecs, c'est parti, on va vite sans mourir. Et là, hop là, le fourneau. Et là, les mecs, c'est enfin parti pour tout se faire cuire. Oh là là, en plus, elle est infinie. Oh là là, quel plaisir. On se dépêche de faire ça. Maintenant, les mecs, je fais simplement un bouclier et on est bon. Comme ça, s'il vient dans la logique des choses, peu importe son stuff, je le barre. Ça se trouve, la vidéo va se terminer dans 5 minutes, les mecs. Donc voilà, hop là. Oh, quoi? C'est pas comme ça qu'on fait un bouclier, les mecs? Boum. Alors là, les mecs, on est paré. En vrai, les mecs, je vais me faire un petit escalier en vrai. Hein. Je pense que c'est vraiment le plus smart. Bon, ce qui sera intelligent, c'est ça aussi. Oh là, les mecs, depuis que j'ai fait une chaîne Fortnite là, je me sens bien meilleur. Hein. Donc, si vous aimez Fortnite, voilà, petit moment pub, n'hésitez pas à aller la voir. Ok, bon, les mecs, maintenant que je suis retourné au village, il va falloir tout simplement essayer de trouver un petit village. Voilà, qui pourrait peut-être faire des échanges. Où est-ce que pourrait en avoir un là? Il me faut des émeraudes. Ok, bon, les mecs, c'est bon, j'en ai trouvé un. C'est un farmer. Il me demande quoi? 22 carottes contre une émeraude. Mais comment j'ai trouvé 22 carottes? Oh mon dieu, je crois qu'il y a personne qui cultive des carottes dans ce village. C'est pour ça qu'il en veut, c'est sûr. Allez, des carottes, c'est pas possible. Il y en a pas une seule. Oh, mais attendez, peut-être que dans les coffres, il y en a. Non, il y en a pas. Bon, les mecs, changement de stratégie, on va aller voir un de ses collègues. Oh, lui, gros, un échange bien plus intéressant. 20 de blé. J'ai ça. 20 de blé contre un émeraude, mais je prends. Ok, let's go, les mecs. Voilà, les mecs, on est enfin safe de la lave. De toute façon, là, les mecs, il me faut de l'eau pour commencer à faire des plantations, tout ça. Hein. Parce que là, oh. Ça, les mecs, pour les trades, ça peut être vraiment pas mal. Si on trouve des pingouins dans le nether, on est sacrément Gucci. Moi, ce qui me fait peur, les mecs, c'est que là, je suis en train de lui laisser en hauteur tout mon stuff. Donc, c'est pour ça, les mecs, qu'on va remonter de temps en temps pour se faire un stuff. Parce que là, moi, j'aimerais bien quand même trouver, je sais pas, du diamant, des choses un petit peu croustillantes là. Du charbon, ça peut être cool en vrai, le charbon. Hein. Faut pas négliger. Hein. Et regardez-moi ça, on est carrément tombé sur la couche d'air. Bon, ça servira à rien. Le gravier pour pourquoi pas faire un portail du nether. Parce que les mecs, on a le silex qui est pas mal. Mais là, il va forcément arriver, les mecs. Hein. Là, il faut que je fasse l'homme le plus sneaky qui existe. Oh là 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 là, quelle merveille. En plus, les mecs, attendez, je vais essayer d'aller au bord pour jeter entre guillemets ce que j'aime pas, ce qui me sert à rien. Parce que là, en vrai de vrai, regardez-moi ça, je me fais un saut. Et là, je peux prendre de l'eau. Et là, on peut limite faire des plantations si on a envie, les mecs. Bon, évidemment qu'on va un petit peu observer. Oh, bah attendez, mais même, on peut même faire mieux.
mieux. On fait ça, hop là, hop là. Ça c'est pas fou ça. Il y a quoi en bas là? Ah ok, c'est comme ça. Oula, il faut quand même faire gaffe. Oulala, oulala, oulala. Olé. Oh là, c'est pas facile la vie d'artiste hein. Comment je vais terminer? Bon bah moi qui voulais faire des plantations, ça ne sert plus à rien parce qu'il y a du fouing. Il y a du fouing les mecs, il y a du fouing. Oh là là, quel plaisir. Oh là là. Oh là les mecs, les pommes c'est fini. Je ne suis plus une tortue les mecs. Mais bref, moi j'ai vraiment trouvé de l'obsidienne ou même du diamant en fait. Bah oui. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le full stuff, le full stuff. Oh là là. Le biome nether. Sauf que ce que j'en avoir c'est encore mieux que le biome nether parce que là on est full stuff. Oh là là. Notez-moi le drip sur 10 les mecs. Si vous êtes à ce moment de la vidéo, vous me notez mon drip. Des blocs d'os en vrai pour faire pousser les plantations, ça peut toujours être pas mal, même si ça servira à rien. Et là regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on on va un petit peu dans les cavités les mecs. Là c'est un petit peu les biomes des endroits un petit peu très brossons là. Ouais oui, regardez-moi ça. Du lapis, du bois, bah pourquoi pas hein. Oh là, du 2x2. J'ai tout les mecs, je pourrais y aller. Boum. Bâton de TP. Je vais donc pouvoir utiliser ça les mecs. Et tabasser Lightning. Ok, ok. What? What? Mais je suis arrivé où là? Quoi? Mais c'est quoi cet endroit là? Lightning il doit être là. Ok les mecs, ça a l'air d'être sa base. Faut que je m'infiltre discrètement sans qu'il me croise. Mais c'est quoi ce truc? Oh bah tiens, attendez, Je viens de voir mon petit coco à Space TV là. Je suis pas fou. Mais mon coco, ça va pas se passer comme ça hein. Je vais essayer de l'attaquer par derrière. À mon avis, les mecs, c'est ça qui va faire la différence. Ok, normalement, il devrait être là. Il devrait être là. Aïe. Ouf. Oula, ça fait mal. Ok, je risque de le croiser là. Il devrait être pas loin. Non, il est où? Attendez. Oh non, les mecs, je crois que je suis tombé, mais il est pas là. Tu vas pas faire le malin. Hein. Ah oui, oui. Oh non. Ciao, ciao, mon petit bichon. Oh non. Wesh, mais où est-ce qu'il peut être? Non, non, il m'a par derrière. Mais il m'a par l'arrière. S'il pense faire un glitch, ça marchera pas. Hein. Oh là 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 là. Oh là là. La vie de moi, je l'avais. Oh non, mais les mecs, regardez-moi ça. On dirait exactement le même que je vous affiche à l'écran. Wesh. Ça donne autant de diamants, ça. Mais what? Mais je suis choqué là. Vous savez quoi, moi je vais vraiment me dépêcher, je vais juste faire ça, hop là. Et je vais me cacher. Parce que là les mecs, il a pris trop de temps pour venir. Ok bon les mecs, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je vais revoir tout de suite le villageois, je vais lui reproposer l'échange. C'est bon, je vais pas me faire avoir une deuxième fois, je suis pas débile. Boum boum boum. Nouveau bâton de téléportation, vite, boum. Ok les mecs. Normalement il doit être là. Normalement il doit être là. Cette fois-ci les mecs, déjà, première chose qu'on va faire, on va lui tabasser son mouton. Comme ça au moins il aura perdu quelque chose. Comme ça, même si je meurs au moins, je serai pas mort en tuant personne. Mais bon les mecs, comme je l'ai pu l'écrire là, j'ai quand même laissé le chicken en vie. Le poulet là, je l'ai laissé en vie. J'ai juste éliminé le mouton. Mais bon bref, où est-ce qu'il peut se situer? Oh, j'ai vu son pseudo, il est très bas les mecs. Il doit être en bas, je vais aller le tabasser. Je vais aller le tabasser. Je refuse de croire. Je vous le dis hein, je refuse de croire qu'il n'a pas, on va dire, moyen de revenir. Bah voilà. Donc là les mecs, on va simplement l'attendre. Et voilà. Ah oui, je suis un chien, vous pouvez le dire. Hein. Voilà, il est ici, donc c'est parti. Hein. Il doit être là. Il doit même être encore plus bas. Regardez-moi ça. What? Oh, y a du diamant à volonté. Hop là, regardez-moi. Hop là. Ça dégage. Mais wesh, pourquoi il m'a défoncé? Wesh, c'est quoi cette dinguerie? Ok, bon les mecs, ok, il m'a défoncé. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai encore deux émeraudes là sur moi là. Et bon, au lieu de les dépenser comme un débile et de revenir, je vais me faire du stuff avant. On va pas rigoler avec lui hein. Donc mon premier truc que je vais aller faire, c'est de me faire un petit arc là et avec des petites flèches. En plus de ça, je vais me faire un petit plastron en diamant, un peu d'équipement en fer et à mon avis là, il va plus rigoler le frérot hein. Il va comprendre qu'il parle pas à la même personne que tout à l'heure. Boum. Allez, cette fois-ci maintenant je vais revenir. Wesh, pourquoi il y a un mouton qui est réapparu? Attends, je vais rééliminer le mouton là. Il a pas compris, je crois, tout à l'heure. Oh, d'ailleurs, les mecs, il y a du fer dans ces fours. On va tout récupérer. Attendez, il me manquait un peu de fer pour faire des bottes. Bah, ça tourne bien. Alors, Lightning, t'es où, mon cochon? Là, viens, là. Évidemment, les mecs, j'ai rajouté un mode qui me permet d'avoir des pommes. Donc là, on va se faire un petit plaisir. Attendez, il y a pas un petit peu d'émeraude, tout ça? En plus, les mecs, on peut faire ça et aller visiter l'émeraude. Magnifique. Bon, évidemment, on fait gaffe de pas tomber. Oh là là, de l'émeraude. Oh, on va pouvoir se crafter exactement ce que je veux, les mecs. Bon, évidemment, on descend en rappel. On fait attention de pas mourir. Oh là là. Regardez-moi le taux de loot qui est incroyable. Donc, vous savez quoi, les mecs, on va carrément la faire de tête parce que je pense que c'est comme ça et voilà. Et donc là les mecs, on a la villager, on va voir ce que ça se fait. Ok, on a un villager qui s'appelle Colin. Donc dédicace à tous les bouxards qui s'appellent Colin. Et il m'échange. Oh, ça peut me paraître pas mal ça, un villager staff. Bah attends mon gadjo, bah attends mon gadji. Hop là, tu me donnes ça. Ça fait quoi? Oh la Starclad. Non mais après bon, à quoi ça sert hein? Parce que en vrai, attendez, là je suis, attendez. Si ça a converti en bas, ouais. Attention petit Colin. Au pire les mecs, carrément Colin, il peut carrément troll Aspace TV. Aspace TV va voir Colin, il va être dans les échanges tranquillement. J'arrive derrière, boum, Aspace TV ne sera plus de ce monde. Parce que regardez-moi ça, on peut carrément faire la Lucky Apple si on a envie les mecs. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Là ce qui est bien, c'est qu'on peut limite bah tous se les faire en soi. Oula, j'ai entendu des bruits, donc là on va. Oh là là. Viens de battre Colin. Mais c'est qui Colin? Wesh, c'est un mec qui propose des échanges grave pas équitables. Mais attends, je vais mourir. Non. Oh la technique du bled. Voilà, on n'avait pas envie de vivre dans le même monde que Lightning. Chez Aspaz. J'ai même pas eu le temps de faire mon troll. Il est chiant lui, bah vous savez quoi? Hop là. Lucky Apple in the pocket. Lucky, pure Lucky, ça fait quoi? Ok. Oh, ça peut être pas mal pour les prochains.
un truc. Vous savez quoi, on va marcher un peu partout. Peut-être ça va nous donner potentiellement des blocs qui va nous falloir dans l'avenir. Bon, je suis un peu déçu les mecs quand même. Hein. Des minerais, bon, j'ai connu mieux quoi. Ils veulent pas me donner des trucs de blaze ou shape. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de me faire, c'est exactement ça, les mecs. Et moi, je suis comme un fils de riche, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Bon, là, les mecs, je sens que ça va complètement ruiner mon monde. Ok, bah, je peux marcher sur l'eau alors qu'il n'y a pas d'eau. Nul. Oh, celle-là, elle peut être pas mal. Hein. Mais c'est pas possible. Comment ça se fait que là, avec mon stuff qu'on demande cheaté, j'ai pas réussi à le battre. Il y a vraiment besoin que je me fasse un stuff encore plus cheaté. Ok, bon, les mecs, j'ai peut-être une idée là. Regardez-moi ça. Je vais me faire un seau d'eau. En plus de ça, je vais me faire aussi un seau de lave. Et bon, là, mon plan, les mecs, il va être super simple. Il faut que je le brûle avec le seau de lave. Et qu'en plus de ça, s'il me fait tomber, j'utilise un seau d'eau pour pas mourir et pouvoir remonter. Parce que là, ça fait deux fois de suite que je meurs en tombant. C'est une catastrophe. C'est insupportable. Et surtout, bon, là, j'ai plus d'émeraude sur moi. Du coup, je dois pas faire le débile là. Normalement, c'est peut-être ma dernière chance avant un petit moment là. Donc, bon, en tout cas, j'ai récupéré la petite lave. On va y aller, les mecs. Mais bon, là, mon plan, c'est d'être discret, les mecs. Discret. Donc, bon, pour être discret, boum, on va utiliser notre seau d'eau. J'ai réussi mon petit MLG. Il faut que j'attende un peu, les mecs. Ok, c'est bon, il s'est éloigné. Déjà, je vais pouvoir aller parler à Colin. Peut-être Colin, il propose des trucs très intéressants. Oh, le lourdeau. Je viens de l'entendre. Vous savez quoi? Je vais le laisser vivre en compagnie de moi-même. Voilà, moi, je vais bien me camoufler ici, moi. Voilà, là, on est bien sur du 1 par 1. Hop là, il me trouvera plus jamais, là. Parce que, bon, moi, les mecs, je dois terminer Minecraft. Hein. Est-ce que vous pensez que je vais terminer Minecraft? Telle est la question. Parce qu'en vrai, là, il a l'air quand même sacrément sur mes côtes. Hein. Au début, il était pas sur mes côtes, mais il a été intelligent, moi, pour moi. Oh non, je l'ai peut-être laissé avec le villager staff. Il va peut-être comprendre maintenant. Parce que, bon, il est pas bête. Hein. Il voit un mec qui s'appelle Colin. Il se dit que le bug, il est pas là. Voilà, il y a rien à faire là. Hein. Oh là là, bon, après, ça nous sert pas à grand chose, malheureusement. J'ai déjà trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé mon petit bonheur. Oh, de l'end. Oh, attendez. Oh, qui dit ça dit forcément bah, l'endroit des blaze rods. Sauf que, bon, ils ont pas l'air de me donner ça. Ok, donc ça dit forcément l'endroit. Bon, et par contre, s'il y a pas de l'obsidienne, des shulkers carrément, les frères. Oh, ah oui. Non, mais attendez. C'est le summum. C'est le prime de. Pas de l'humour, mais vous avez compris quoi. Non, mais les mecs, attendez. Là, je peux déjà me barrer en fait si j'en ai envie. Oh là, il arrive, c'est pas drôle. C'est quoi ça, villager staff? Il me propose des villager staff. Attends, mais je crois que c'est des items inventés. C'est des nouveaux items. Mais attends, me dis pas qu'il est en train de tricher avec des nouveaux items là. Attends, mais il est où? Je vais me le faire. Oh mon dieu, regardez-moi ça. J'ai les émeraudes à volonté. Je vais pouvoir revenir à volonté. Par contre, il est où Lainel là? Sérieusement, il est où? Je sais pas où il est. Oh, il est là, il est déjà descendu tout ça. Mais comment il est descendu tout ça? Comment il a fait pour être aussi rapide? Vite. Faut que je le rattrape. Oh mon dieu, les mecs, je le retrouve pas là. Ok, il est en bas. Mais mon dieu, par où il est passé là? Sérieusement? Comment ça se fait qu'il est aussi rapide lui? C'est pas possible, c'est une catastrophe. Allez, je vais le rattraper. Oh, ok, les mecs, je le rattrape, je le sens. Ok. Oh, il est là, c'est sa zone. C'est bon, je l'ai. Qu'est-ce que tu crois là? Qu'est-ce que tu crois, sale malade? C'est mon Chunkawam. Oh le taré. Oh les mecs, attends, c'est quoi ça? Underpearl, j'ai eu d'Underpearl. Mais attendez, on va là, hop là. Et là les mecs, on est au-dessus de lui, il le sait pas. Et donc là on est derrière lui. Et hop là. Let's go. What, il est là. Ok, c'est bon. Je l'ai brûlé. Il va mourir. Meurs pas la nette, pitié. Oh. Alors là on va bien se péter le bide, rien à ce que je le mérite. Hein. Par contre, attendez, moi j'ai un truc que j'aimerais quand même sacrément bien me craft. Hein. Boom. Try and hit me. Je sens que ça va me téléporter dans un endroit que j'ai pas forcément envie d'être. Hein. Donc on va attendre finalement. Parce que là, jamais je tue le dragon comme ça. Hein. Parce que moi les mecs, j'ai envie de me faire ça en fait comme bail. Oh bah carrément, regardez-moi ça. Des petits blocs de nez. Oh bah attendez, là en dessous il y a forcément de l'obsidienne. Parce qu'au bout d'un moment, les frérots, je n'ai pas vu un truc d'obsidienne. Ah même pas. Je suis un peu déçu. Ah je suis. Non mais là c'est. Ok, il suffit de demander. Bah là les mecs, c'est incroyable, c'est qu'on va limite. Oh, en plus on peut tirer directement. Mais là j'en mine simplement deux les mecs. Et on n'a pas besoin d'aller dans le Nether. Et je peux directement me faire le Bayer O'Brien. Donc là les mecs, c'est y part. Ah, c'est peut-être pas dans ce sens là. Voilà. Oh là là. Vous savez quoi les mecs, on va remonter. Et comme ça on sera bien. Hein. Les mecs, je me suis carrément posté tout en hauteur là. Bon, je sais pas si avoir fait ça, c'était la meilleure des idées. Mais en vrai, c'est vraiment un bait ce bon vieux Colin. Hein. Quoi? Pourquoi il est pas mort lui? Pourquoi il est pas mort? Oh non. C'est une catastrophe. C'est pas possible. Sérieusement, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va pouvoir me permettre de l'éliminer. Bon, par contre, j'ai vu qu'il y avait des équipements complètement cheatés. J'ai envie de voir comment on peut les craft ces trucs. Parce que vous vous rappelez, on avait un truc de villageois tout à l'heure. C'était quoi ce truc? Oh. Bah attendez, mais il y en a grave des trucs à faire en fait. La pomme de villageois, par exemple, il faut avoir une pomme et 4 émeraudes. Je vais me trouver une pomme, vous allez voir. Let's go, boum, let's go. C'est bon les mecs, j'en ai 4. Je vais pouvoir faire la pomme du villageois. Et c'est quoi ce truc là? Bon, j'en sais rien, mais je vais me la manger quand je serai à côté de Lainhead. En attendant, boum les mecs, on y va. Bon, il veut pas venir, vous savez quoi, on va bouffer la pomme. Ah. Oh les mecs, je suis à l'endroit d'Aspace TV. Oh les mecs, qu'est-ce que je dois faire? Comment je retourne à mon endroit? Il faut que j'arrive à me crafter le bâton là, parce que là j'ai. Si je meurs, je suis mort. Oh mince. Bon attendez, il faut que je vois ça. Bâton, ok. Ok, donc pour ce TP, c'est exactement ça les mecs. Oh les mecs, il manque simplement de la redstone. Wesh les mecs, il y a Aerobrain qui vient de tuer. Oh non, c'est au pire moment, c'est au moment où je viens d'utiliser une Underpearl pour me téléporter à lui. Bon c'est pas grave, moi faut que je fasse vite les mecs. C'est facile, je le sens bien là. Je sens que c'est le moment où je vais réussir à le tuer. À mon avis, là, il doit être à peu près au même endroit que moi. Vous savez quoi, je vais manger ma pomme villageois. What? Ça fait spawn un mec qui me donne une épée de villageois qui transforme tous les blocs.
bloc. Un truc d'émeraude, c'est quoi ça? Bon les mecs, faut que je le trouve. Attends, moi. Où est-ce qu'il peut être? Sois tranquille. Oh non, 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 non. On a qu'une seule chance, c'est de bouffer cette pomme là. Il y a un qui marche. Vous mettez un commentaire avec le mot flop, j'en ai rien à secouer. Attendez les mecs, il faut vraiment que je revoie le craft. Bâton. Hop là. Ok les mecs, faut... Il sait même pas que je suis là, ça se trouve. Ok, ok. Boum. Allez Lightning, t'es mort. Boum. Et c'est bon les mecs. Je vais réussir à le tuer. Je vais gagner ce manhunt. Boum. Il galère. Il sait plus quoi faire. C'est super pas drôle. C'est super pas drôle. C'est super pas drôle. Stop. Non. Oh les mecs. Il faut que je le brain. Il faut que je le brain, je vous le jure, il faut que je le brain. Vous êtes prêts les mecs? Hop là. Non. 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 Boum! Let's go, j'ai gagné! Je suis le meilleur, les mecs! Bon, bah, du coup, les mecs, j'ai gagné comme d'habitude! Let's go! Abonnez-vous, les beaux gosses!